Bah, ça fait 24 heures que je suis parti, un peu moins, et bah, ça trace, c'est cool. Donc, parti vers le sud. Et voilà, je suis dans mes pensées, là, en train de glisser sous ce pied là-bas. Et c'est cool. Donc, ouais, on avance bien, alors on fait des petits surfadineux, on vient de passer Belle Île, là, qui est juste derrière. Et là, on file droit sur l'ouest de l'île Dieu, donc à 39 000. On devrait attendre vers 2h du mat. Ceci dit, je pense que je vais affaler le spi pour bouffer et dormir, peinard, parce que c'est pas la course. Hein. Voilà, je me fais plaisir jusqu'au coucher du soleil. Là, puis je vais affaler ça et puis je vais me faire la pompe. Voilà, je raconte ma vie, hein, faut bien parler un peu. Rien dit de la journée à personne. Et c'est pas fini. Ouais, petite vidéo donc du passage de l'île de Ré. Donc derrière on a là le phare de Chauveau avec le pont de Ré. Hein. On reconnaît bien. Je suis en train de contourner le plateau de Rochebonne, le laisser à tribord. On voit rien. Voilà la position 4609 et 231. Voilà. Bonjour. Ben, ça fait du bien de parler à quelqu'un. On est le 20 juin. On est en train de remonter. Tranquille. Bonne chose à dire, par où commencer, donc il fait beau, c'est bien. Ah tiens, pendant qu'il parle, je vais vous présenter un ami à moi. Il s'appelle Merveille. Merveille, comme merveille, il veille sur la mer, enfin il veille sur le bateau, en mer, je sais pas trop dire. Voilà, donc Merveille, le voilà. Alors Merveille, là, il est en train de viper. Vous voyez, un petit voyant là. Ah là, c'est une pluie. Ah non, il est là maintenant. Oh là il est là, oh là il est là. Bon, ça veut dire qu'il y a un radar qui passe pas loin. Et voilà, ça me sert bien parce que vu que ça fait. Je fous pas le nez dehors là cette nuit, j'ai dormi comme un loir. Tout ça, ben voilà, vu qu'il y a un endroit où il n'y a personne, je suis à une soixantaine de milles large des côtes, quoi. Et ben ça me permet de me réveiller et de me dire, ouais, qu'est-ce qui se passe dehors? Alors je vais voir. Et là j'aperçois. Où est-il? Un bateau, bon on le voit peut-être pas là-bas. Un bateau. Ah bah voilà, il n'est pas rattaché, le bateau bouge pas. Impeccable, il reste sur son cap. Et il y a du soleil. Donc qui dit soleil, mer plutôt calme ce matin, dit peut-être le temps de faire un petit point astro ce matin. Donc je m'attelle à cette tâche, voilà, j'ai eu un peu de mal à prendre le rythme hein, au début dans l'air sur Rochebonne là auprès ça brassait là, j'étais pas à l'aise. Et là c'est bon, c'est parti quoi. On est à 100 000 de ça là, de l'île de ça. Bon voilà, on y sera demain matin. C'est cool, bah, tu vois, j'ai éteint le GPS, plus de pilote, plus de GPS. À l'ancienne, le boot pour tenir la barre et le sextant pour naviguer, ouais, ça va être drôle ça. Ouais, il y a un gros bonhomme à côté, ouais, il est arrêté. Score chips. Allez, vite, il bouge pas. La mer d'Irlande. La mer celtique, une mer qui peut se montrer particulièrement dangereuse, violente, un peu l'Everest des marins, certains, l'Everest de cette calife en tout cas. Mais aujourd'hui non, c'est calme, très calme, c'est long, très long. Alors, on patiente, c'est assez agréable finalement, l'occasion de déboucher une des deux bières que j'ai à bord. Je pensais à réserver pour un bruit, j'ai encore à 70 000, 100 km et quelques, 120 km.
longue prévue, mais bon, tout va bien à bord. Voilà, un petit tour d'horizon sur cette mer celtique. Et le Génac, le fameux Génac qui est à poste, mais qui est en berne, en repos. Et on voit même pas l'horizon, tellement c'est couvert, brumeux. Enfin bref, voilà, c'est le néant. Le vide. Allez, on va essayer d'envoyer quand même ce Génac, de faire avancer un petit poil ce bateau. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'air. Allô ? Allez, zou. Il y a deux baleines là-bas, deux baleines. Je sais pas si on voit quelque chose. À mon avis, pas trop. Est-ce qu'elles sont, ces connes? Ah là là là, oh, c'est énorme. Énorme. Wouhou. Vache. Voilà la putain de couette Koenigsegg. Sa mère. Avec un putain de courant, sa mère. Putain. Voilà. Donc on passe tout tranquillou, lever du jour, c'est l'aube. C'est l'aube à 5h30 ici, c'est cool. Il est à 50 dehors. Et voilà. Our position is 03 38. C'est Douarnenez. Quelques encablures. Voilà, c'est un petit plaisir d'envoyer Bobby avant d'arriver. C'est pas royal comme petite arrivée là. Voilà, donc ça fera 9 jours. Un petit peu moins de 9 jours de mer. Et bah voilà. Un peu fier, mais trop bien, trop bien. C'est long, et en même temps, c'est top. Ça marque. C'est pas prêt de l'oublier, quoi. Bon entraînement. Super pour apprendre à se connaître. Apprendre à connaître son bateau. Et tout et tout. Et puis, bah ouais, je repartirai bien pour un tour, à la limite, tu vois. Je vais prendre une douche quand même et boire une bière. Et ouais, y'a rien à dire, mais c'est top. Je suis hyper ému. Ça se voit pas trop, mais. Et. Ouais, y'a pire condition pour arriver. Je pense qu'il y a pire condition pour faire ce parcours aussi. J'ai eu vachement de chance. Ça aurait pu être plus rapide et plus drôle. Mais c'était. Long et agréable en fait, globalement, te dire. Pas beaucoup sorti Bobby le Spi là, mais bah, c'est pour ça que je le mets un peu là. Il était fâché, hein. Il était pas content. Donc Bobby le Spi va nous permettre d'arriver une demi-heure plus tôt, à l'heure de l'apéro peut-être, que j'aurais pu rater sans lui. Merci Bobby. Ouais, beaucoup de reaching. 25 nœuds de vent max, beaucoup de courants, des courants de partout, putain 98 de couef sur 3 jours là, en Irlande, en Angleterre, en France, et à chaque fois j'ai galéré pour toutes les pointes, tous les passages, bon, c'est broutille, allez, à plouche pour la prochaine aventure. De Roxane et Fabien. Et Bobby.